Ma première analyse, elle va pour l'AS Nancy Lorraine, qui ce soir a fait son match. Franchement, avec beaucoup de cœur, ils nous ont bousculés. Plus agressifs. Voilà, pour nous, c'était très très compliqué comme match, franchement. Bon, on s'en est sorti sur un coup de pied arrêté. C'est un exercice sur lequel on était performant ce soir. On peut marquer plus. Je pense que Van Den Abyl, il peut mettre quelques buts en plus, mais bon. Et bon, concernant Nancy, voilà, j'ai juste envie de leur dire de continuer dans cette voie-là, parce que ça va, à mon avis, ça va passer. J'ai connu ça aussi. Moi, l'an dernier, à Metz, on est toujours un peu le sentiment qu'on est, voilà, que les choses ne tournent pas rond. Mais franchement, ce soir, ils ont fait leur match. Ils ont mérité leur égalisation, même si c'est un coup de pied arrêté. Et puis, sans un très bel arrêt, je pense, de Camara à la fin, c'était aussi l'égalisation. Voilà, ça sera pour ce qu'a fait l'adversaire. Et je voudrais les féliciter malgré la défaite. Et c'est très sincère. Et nous concernant, j'ai trouvé qu'on était toujours un peu entre deux, je sais pas quoi d'ailleurs. Comment ? Ouais, voilà, on a nagé entre deux eaux un peu tout le match. On a eu du mal à se créer des occasions pendant les 25 premières minutes de jeu. Après, bon, ça, c'est pas illogique non plus, puisque Nancy nous a bien bousculés. Et puis après, en deuxième mi-temps, un sentiment qu'on peut mieux attaquer. Voilà. Donc je trouve qu'en ce moment, on a un peu de mal à appuyer nos actions. Maintenant, attendez, c'est notre troisième victoire. On est arrivé ici en sachant que ça serait difficile, et ça l'a été. Donc voilà, on est très très heureux de cette victoire. On a été la chercher aussi, on l'a pas volé non plus. Alors partout, il y a un temps fort dans ça, un petit moment de flottement, l'impression que l'équipe ne savait pas trop si elle devait attaquer, si elle devait essayer de conserver ce nul. C'est normal, on est en supériorité numérique, c'est bête à dire, mais c'est pas parce qu'on est 11 contre 10 que mathématiquement, à chaque ballon, on est en supériorité numérique, ça change pas grand-chose. Eux, ils avaient un gros point d'ancrage avec Sané et puis Maboulou avec des gens qui tournent autour, notamment Nguessan qui était très très bon ce soir, je trouvais très bon. Et puis nous, on était cueillis aussi à froid en deuxième mi-temps, parce qu'on prend le but à quoi, 46e, 47e. Donc c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé, je veux pas dire prévu, mais en tout cas imaginé. Donc ça nous a mis un petit peu ça nous a renvoyé un petit peu à nos chères études. Et puis voilà, après, quand on a commencé à retrouver un peu la maîtrise du ballon, c'était quand même beaucoup mieux pour nous, soit deuxième mi-temps, quoi. Peu. Avec l'expulsion, l'équipe ne sait plus trop si elle doit attaquer, défendre. Ouais, il faut qu'on reprenne un peu plus de confiance dans notre jeu de passe, l'aspect technique. Voilà, on a joué sur un très très bon terrain. En certaines circonstances, il y avait certainement mieux à faire, mais bon, il y a parfois, on l'a fait bien aussi. Sur le plan comptable, c'était quand même 3 victoires de suite, c'est quand même pas anodin, 20 points. Non, bah, c'est jamais anodin. On a la moitié des points pour se maintenir, je vous rappelle, c'est notre objectif, la moitié des points, quasiment 11 matchs. C'est vrai que ça, voilà, ça laisse des perspectives qui, justement, devraient nous booster et nous libérer plus que nous inhiber. Mais bon, le football, c'est jamais simple. Donc il n'y a pas de fort exode, hein. Si, les joueurs sont contents. Ils sont oui, très contents. Après, je reste toujours mesuré par rapport à la performance. Les coachs, ils sont toujours... Ils veulent toujours que ça soit nickel, voilà. On ne supporte pas les contrôles ratés, les passes ratées, ça nous met hors de nous, mais voilà, ça fait partie aussi, et puis il faut l'accepter, et, voilà, une bonne volonté quand même du GF38 ce soir d'aller chercher cette victoire. Mais je suis content de la victoire, parce que je savais que ça serait pas facile, ça serait compliqué contre cette équipe de Nancy, et on a été servi. Mais on s'en est sorti. C'est bon ? Allez, bon courage à vous. Merci. Bonjour. Il y a des bonnes choses, mais avec encore trop peu de réalisme dans les deux surfaces. Ouais. Ouais, notamment sur les coups de pied arrêtés. Je crois qu'ils les ont tous touchés. Coups de pied arrêtés défensifs, c'est homme à homme. Hein, c'est, voilà, donc on se met en danger par rapport à ça. Puis après, il y a l'expulsion qui est... Parce qu'il y a une trace sur la cheville, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sortent avec une trace sur la cheville. Je veux bien comprendre qu'il y a expulsion quand il y a sortie du joueur. Mais bon, ça ne l'a pas trop gêné sur la suite du match. Donc voilà, c'est pénalisant. Ce rouge nous a vraiment pénalisé. Il y a eu une réaction. Voilà, les mecs n'ont rien lâché, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit aussi beaucoup plus... On a eu des occasions, même à 10. Et il faut les mettre, voilà, c'est encore une défaite. Et,
C'est dur à accepter. Ouais, je pense qu'on était pour une fois bien rentré dans le match, voilà, où on a eu beaucoup moins de déchets techniques que d'habitude. Et voilà, sur la première occasion, première fois où ils ont un coup de pied arrêté, non, il y en a une juste avant, il y en a deux. Mais dans le jeu, ils ne se sont pas procurés grand-chose. Mmh. Mais c'est la preuve que ça suffit pas. Non, c'est la preuve que ça suffit pas, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'éléments contraires quand même. Il y a des moments où quand même vous avez quand même un peu plus de réussite, un peu plus de moins de pépins, parce qu'on a encore un changement très rapide, une décision arbitrale qui me paraît quand même sévère. Ça fait beaucoup pour une première mi-temps. Oui, parce qu'on a des accalmes, mais ça c'est pas nouveau. Aujourd'hui on le sait qu'on a du mal à, je l'ai dit tout à l'heure, à être beaucoup plus tueur dans cette surface de réparation. On a des occasions, mais on n'a pas. On n'a pas ces joueurs qui ont peut-être un peu le sang frais au moment de la mettre au fond. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ce groupe-là, il faut. Quand je rentre dans le vestiaire, je dis qu'il y a des choses qui n'ont pas été, notamment sur les coups de pied arrêtés, mais sur l'envie, sur le fait de se battre, bah, je ne peux pas trop leur reprocher grand-chose. Alexis Buzyn a fait un bon match. Oui. Il semble même encore assez en jambes quand vous sortez coach. Non, je sors parce qu'il me dit qu'il n'en peut plus. Voilà, c'est lui qui me dit qu'il est mort, et puis on commençait vraiment à prendre le. Parce qu'à 10, j'ai pris l'option de jouer à 4 et à 3 milieux défensifs pour garder deux points d'appui un peu plus haut, pour qu'on puisse ressortir le ballon, et avec la fatigue, ça commençait à être dur, donc c'est voilà, pour ça on a fini à 4, en deux lignes de 4, pour essayer de marquer sur un ballon long. Voilà. Il y avait des degrés de forme assez homogènes. J'ai choisi ce soir l'option un peu de l'expérience, parce que c'était un match compliqué, voilà, par rapport au classement. Et voilà, on sait qu'aussi on avait des joueurs qui n'iraient pas au bout. Les événements de la première mi-temps font qu'ils sont obligés d'aller au bout, parce que on perd un changement dès la 10e minute, on est à 10, donc c'est après voilà, c'est. C'est pas le match dans son ensemble que j'avais prévu, parce qu'on avait la possibilité de rentrer un peu des joueurs frais, voire Amine en fin de match, pour mettre un peu plus de jus, un peu plus de peps, mais bon, le déroulement du match a fait qu'on n'a pas pu les faire. A posteriori, c'est une option que tu regrettes ? Non, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un bon début de match et que on a été. On était mieux rentré que les autres fois. En deuxième période, c'est un peu pareil. Vous avez déjà fait le retour à partout. On a même le sentiment, malgré vos réalistes, que le match va plutôt basculer. On a notamment une frappe de Jérémy, je crois, qui est contrée, qui passe de Buzyn aussi, qui est sur une remise de Mamboulou. Voilà. Même eux, à 11 contre 10, ils n'ont pas beaucoup plus que nous, voire moins que nous en deuxième mi-temps. Mais ils sont beaucoup plus réalistes, en tout cas. Aujourd'hui, avec en plus des concurrents qui gagnent, la situation est toujours plus compliquée. Mm-hmm. Et, enfin, dites quoi, quand même, malgré tout, sur quelque chose de. Non, mais quand on est bien. Quand on est dernier, je vous dis quoi, que vous êtes dernier, vous venez encore de perdre la maison, que la situation elle n'est pas brillante, elle ne s'améliore pas. Donc je n'ai pas vraiment de mots par rapport à ça, en tout cas. Je veux dire, tant qu'à faire, de toute façon, tant qu'on ne gagnera pas nous et qu'on ne fera pas les points nous, les adversaires ou les concurrents ne vont pas nous attendre. Hein. Merci.
Pretoria.